Appelé à entrer au ciel dans son royaume. Alléluia.
Nous rassemblons nos papas, petit blague, esprit Seigneur. Amen. Que vous êtes vous mettre là avec nous tous. Et avec le Seigneur. Sois avec frère moi, bonjour. Bonjour, mon père. Et bonne fête. Merci. Amen. Jeudi, c'est le deuxième dimanche de Pâques. Et ça fait 8 jours que Jésus ressuscité. Et après 8 jours, il paraît devant les partisans pour faire un souhait spécial en leur disant « La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. » Le Jésus qui souhaitait la paix avec les partisans, c'est parce qu'il était connu dans la tristesse, dans la peine, dans le désenchantement. Et que sans vini, sans parole, ça, eh bien, il n'est pas capable de continuer pour faire ministère ou même pour continuer mission. Et sous parole, ça a tout le droit de vous aller comme mon père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Soit avec Frémio. Je dis un tout, c'est l'occasion du deuxième dimanche, carême, pardon, dimanche pas. C'est dimanche de la divine miséricorde. Dimanche de la divine miséricorde. À travers dimanche ça, bon Dieu, montrez-nous qui j'en lirai, mais nous. Et nous même sans mesure. Et dans l'occasion de faire ça, comme je dis, nous avons honneur avec privilège pour nous dire bon Dieu merci. Ensemble avec groupe jeune et yo, qui a célébré aujourd'hui 14 ans depuis qu'on existait. Nous disons bon Dieu merci pour le même qui a célébré aujourd'hui. Mais tout, nous songeons d'une façon spéciale pour tout le monde qui débaille. Oh, bien qui prend le vent. Bientôt qui vivant, nous allons demander mon Dieu pour nous accompagner. Nous allons continuer à faire louange à compliment pour lui. Au début de cette célébration eucharistique, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et demandons pardon.
messe pour le repos des âmes de Bettina, Julien, Louis, Clara et Hervé Dubourg. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a racheté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bye.
1 Pierre, chapitre 1, sur verset 3, arrivé verset 9. Frère Mio, Seigneur, compliment pour bon Dieu, qui papa Jésus-Christ, grand-mère pour moi. Parce que, quel bon pile, il fait nous faire une deuxième fois, pour être levé Jésus-Christ, levé parmi nous. Pour ça, nous avons un espoir qui baille la vie. Nous avons un héritage qui n'est pas capable de gâter, qui sent les faux et qui n'est pas capable de vivre. Héritage ça, je serai dans le ciel là pour nous. Nous-mêmes, force bon Dieu à protéger. Peut-être la foi nous gagne dans la délivrance, tout pareil pour pareil pour le délitant. Aussitôt, même si vous y êtes, il faut que nous chagrions de grâce. À toute qualité classe, entrave, nous joignons. Mais nous comptons, gros comptons. Comme ça, sondez au son de la foi, nous. Ça va faire nous joindre louange, compliment, à connaître l'air Jésus qui va parler. La foi, nous savons, nous sommes là, pour plus, plus passer là, qui va lui-même pour périr, quoi que tu es tel dans le fait. C'est sans nous pas où Jésus qui nous aime. Et dans nous croyons, même si nous pas où est nous sommes, nous comptons, vous comptons. Quel content nous en belle en pile, personne ne va pas dire j'en belle. Et ça, la foi à côté de nous, c'est délivrance. Parole grand maintenant. Merci, mon Dieu, merci. Moi-même tout, moi voyez nous. Et tant
il t'a dit ça, il voyait souffler sur lui, il dit yo, recevoir l'Esprit Saint. Depuis nous pardonner péché au monde, péché nous va pardonner vrai. Depuis nous laisser sans nous pas pardonner, il a arrêté sans nous pas pardonner vrai. Mais Thomas qui était un des 12 messieurs, ça a été Marassa, pas de là avec nous, les Jésus. L'autre partisan lui dit, nous ouais, grand maître là. Il dit, si moi pas ouais, ma clouille n'a même. Si moi pas foué, doit être moi, dans trou clouille. Si moi pas foué même, dans bon côté, dans point jour, au moins ouais. 8 jours après ça, partisan de l'autre trouvé en dedans toujours. Thomas est avec nous. Jésus venu étant porte caillou de fermé. Il est campé dans le temps. Il dit qu'est-ce posé pour nous. Après ça, il dit Thomas, mais les doigts tout ici là. Gardez même yo. Fouez même ou. Mettez-le en bas côté. A continuer par quoi. Mais c'est pour que la foi. Je m'en réponds. Grand maître moyen. Hein? Bon Dieu moyen. Hein? Je sais dire. Pourquoi? Parce que vous aimez à la chance pour le monde qui croit sans le parler. Ils étaient fait divers, l'autre miracle devant les baptisants. Mais ils n'ont pas écrit dans le livre ça. Ça eux-mêmes, ils ont écrit pour nous croire. Jésus. C'est le Christ là, c'est petit bon Dieu là. Comme ça, ouais, n'a quoi, n'a de la vie ou non. Ça, c'est parole comme là qui vient tout pouvoir. Merci, bon Dieu, merci. Père Chandia, Dominique, cher membre du groupe Eyo, membre du groupe Jésus Misenko, auditeurs et téléspectateurs de radio et télé Solidarité, auditeurs de radio Créole et de radio Pétionville-Terre, sommes avec Frère Moyo. Dimanche 23 avril, deuxième dimanche de Pâques. En ce deuxième dimanche de Pâques, nous célébrons dans l'église aussi dimanche de la divine miséricorde. Sœurs et frères bien-aimés, Jésus a choisi pour nous ce jour pour nous aimer d'une façon miséricordieuse. En ce dimanche de la divine miséricorde, nous nous souvenons, sœurs et frères, les paroles ou les propos de saint Thomas d'Aquin, docteur Angéline. La miséricorde consiste à apporter une chose en dehors du non-être à l'être.
c'est ça que nous allons voir à travers les caractéristiques de la première communauté chrétienne. La première communauté chrétienne, t'as gagné un seul, t'as gagné quatre caractéristiques qui t'ont fait. Et dans la première lecture, nous venons de l'entendre. Les croyants étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Et selon les mots de Saint Jean Paul II, ce dimanche de la Divine Miséricorde, où nous célébrons cette fête spéciale, cette fête nous invite à revivre l'évangile de Pâques de façon profonde ou intensément. L'évangile de Saint Jean, en ce dimanche, nous dit « Le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. » Sœurs et frères bien-aimés, n'oubliez pas que nous sommes 8 jours après la résurrection et les disciples ou les croyants, les amis de Jésus ne devaient pas réagir ainsi puisque la résurrection de Jésus nous fait voir et nous dit sans embâche et clair que fini le temps de la peur, fini le temps de la tristesse, fini le temps de la peine, mais arrive le temps de la joie. Mais non, pourtant, ce n'est pas ça que nous-mêmes nous voyons dans l'évangile aujourd'hui. Paul continue à être fermé par peur des Juifs. Et voilà, au cœur de leur tristesse, Jésus vient en leur disant, « La paix soit avec vous. » Et sur ces mots, eh bien, la joie t'est envahie. La joie t'est entrée dans eux-mêmes. Et plus loin, Jésus va le faire, même souhait ça encore. La paix soit avec vous, et cette fois-ci, en présence des 11. Et les 11, et une fois que Jésus paraît devant eux, ils vont rapporter à Thomas que Jésus est vraiment ressuscité. Et Thomas, l'incroyant, Thomas l'apôtre, lui-même lui a dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas dans mon bras dans la marque des clous, je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Nous voyons toujours comment, après la résurrection, l'apôtre Thomas, qui continuait à douter de la résurrection de Jésus, sommes avec frère Monod. Ça veut dire nous en clair qui Jean, Jésus qui ressuscité, il était toujours encore suscité des doutes de la part de propre monde qui était ensemble avec lui. Mais pourtant, ce que nous pouvons comprendre, la résurrection de Jésus, ce n'est pas un événement que nous sommes capables de comprendre selon les vues humaines. Et c'est ça que fait Thomas lui-même n'est pas capable de comprendre l'idée que Jésus est arrivé, levé, sorti, tout compris parmi moi. Et finalement, Jésus, même Jean était paré devant Onzio, et même Jean était paré devant Marie-Madeleine, il paraît devant Thomas. Et c'est ainsi que il a confessé avec Thomas, parole ça, mon Seigneur et mon Dieu. Sous parole ça, théologien dit, eh bien, Thomas d'Aquin, eh bien, confessait une sorte de cri qui montrait que, pour lui-même, que le toucher est devenu inutile. Parce que, il rencontrait Jésus tout compris, qui est présent, qui est vraiment ressuscité. Seul avec Frémio. L'évangile, je dis, montre-nous à clair comment rencontre Jésus ensemble avec partisans Lio, qui venait pour lui porter la paix pour lui, qui venait pour lui porter cœur posé pour lui. Et en ce sens,
Il les appelle à être ses témoins et aussi à être ses agents de pardon. À être ses témoins puisque il va leur dire, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mes chers amis, je suis envoyé par Jésus comme il a été envoyé par son Père. Là où nous sommes, nous devons œuvrer ou travailler comme étant de bons missionnaires pour l'avancement du royaume de Dieu et aussi à répandre l'amour de Dieu pour nos prochains, pour nos frères et sœurs. Et en ce sens, cette paix que Jésus vient de communiquer à ses disciples, c'est à nous-mêmes, je dis, que lui communiquer, pendant que lui apprend de nous, pour nous vivre dans l'amour. L'amour pour frère avec ceux pareils de nous. Pour nous porter un sourire par le monde qui peut être dans la peine ou dans la tristesse. Pour nous capables de partager cœur content nous avec le monde qui en a besoin. Oui, sommes avec frère Moyo. L'évangile veut dire tout, montrez-nous à clé qui Jean, même Jean, Jésus t'a confessé qu'il est le tout dit du Père, qu'il est l'envoyé du Père, celui que le Père a envoyé pour le salut du monde. Comme nous rassemblons pour nous célébrer le cœur ici, ça, nous permettons pour Dieu de mettre l'ensemble avec le mieux, la grâce pour que, dans toutes circonstances la vie, nous, pour nous reconnaître que c'est bon Dieu qui tout bagaille pour nous. Et comme Thomas a refusé de croire que Jésus s'est petit bon Dieu, Jésus lui a dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Sœurs et frères bien-aimés, Jésus nous invite en toutes circonstances à nous abandonner dans ses bras, dans sa divine providence. La providence de Dieu, c'est cette force que Dieu nous donne, c'est cette garantie que Dieu nous confère en nous faisant savoir qu'il sera toujours avec nous et surtout dans nos moments de désarroi. Et deuxième dimanche, par ça, aidez-nous tous, ma réfrémion, comment, pendant que nous célébrons le dimanche de la divine miséricorde, s'acquitter mobile ou bien point focal, point crucial de la première communauté chrétienne. Ça veut dire, nous mettons, nous devons l'image, une communauté qui partage, une communauté qui vit de l'amour, une communauté qui vivait de la conversion, dans l'union, de la concorde. Je dis, ça y est, on gagné, on va garder le couloir. Et on te compte partager avec ça y est même qui te compte dans besoin. On te compte partager les ressources, connaissances, quel que soit ce que même bon Dieu te baille comme avantage. Alors, en ce sens, et la première communauté chrétienne existe en fonction de la résurrection de Jésus. Ça veut dire, puisque Jésus est ressuscité, nous aussi nous sommes appelés à vivre comme des hommes et des femmes ressuscités. Pendant que nous allons éviter de vivre dans le conflit, pendant que nous allons éviter de vivre dans une relation égoïste, personnelle, et nous allons décider pour nous vivre, genre que mon Dieu lui-même lui demande de nous vivre. Sœurs et frères bien-aimés, en ce deuxième dimanche de Pâques, et aussi en ce dimanche de la divine miséricorde, nous avons l'honneur et le privilège de dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il a accompli dans l'existence de groupe de la paroisse. Je vais parler du groupe Eno. Puisque aujourd'hui ramène son 14e anniversaire de fondation. Oui, je tiens de tout cœur, nous voulons dire merci spécial à tout le monde qui te prend un engagement spécial pour être capable. Faire groupe ça lui-même exister. Permettre que moi citer quelques noms. Ordinairement, le groupe n'a pas à se la fêter. Moi toujours
peut-être objectif pour moi les deux fidèles de la communauté pour réaliser une sorte d'interview. Mais deux mondes qui vraiment n'ont pas fait partie du groupe là, mais peut-être qui a plus libre pour parler de groupe là. Alors, peut-être que après mon film audition de Mounsayo, et après cette thèse que moi-même j'ai fait, mais ça que moi détruit pour nous. Nous voulons dire, bon Dieu, merci d'abord pour tout le monde qui t'est sacrifié pour que ça soit capable de s'allier aujourd'hui. Quelqu'un que nous voulons citer, et si nous fois que nous t'oublions, nous va excuser. Et bon Dieu, quand même, nous connaissons tout le bagage. Nous voulons dire, Chani Duplessis de l'Europe de mémoire, merci pour le sacrifice et le service. Nous voulons dire, Rose Stella, merci pour le sacrifice et le service. Nous voulons dire, Daniel, merci pour l'effort de vous. Nous voulons dire tout ancien, aîné, parent qui t'est sacrifié pour que, eh bien, qui t'est accompagné, qui t'est prendre par conseil pour que le groupe soit capable d'exister dans le temps. Et jusqu'à Chodia, nous voulons dire mon Dieu merci pour vous. Mais si nous fêtons 14 ans, ce n'est pas seulement le monde qui était là, qui est là, qui est là, qui là, qui n'est pas là. Mais tout c'est grâce à bon gens fui, bon gens détermination, persévérance, en plus non, qui fait que eh bien, le groupe continue capable d'exister. En ce sens, nous voulons dire merci avec le conseiller de notre jeune qui était venu. Permettez-nous encore de nous citer nous. Excusez-nous si des noms que nous manquons. Nous voulons dire, Yuseline, cher Philippe, merci pour courage, patience, l'inagoupé, Nancy Duplessis, Taïda, ensemble avec tout notre jeune et tout notre monde qui a une responsabilité. Que bon Dieu est capable de continuer de venir sans que nous n'oublions pas les hommes et frères nous fils. Nous voulons dire tout, un merci spécial avec tout pareil, puisque c'est grâce à bon genre et fort pareil qui fait que nous devons toujours joindre un petit pour que nous réalisions tout ça que nous toujours voulons réaliser pour nous. Que bon Dieu, dans l'occasion, faites nous voir. Ben nous tout ça que nous avons besoin pour ne pas jamais la vie continuer à faire travail pour nous. Et spécialement nous-mêmes, Simonio, chaque vendredi, nous rassemblons, nous venons pour nous capables de venir chanter, venir danser, pour prendre formation. Moi, je veux dire que moi apprécie et folle. Moi, je veux dire que moi aime travail. Et c'est pour mon Dieu toujours continuer à aider nous, toujours continuer à nous avoir besoin pour ne pas jamais qui vient rien m'arriver nous. Nous ne pouvons jamais oublier que nous sommes des formateurs ou des formatrices chaque dimanche, parce que deux fois par mois, qui est toujours ensemble avec nous. Nous disons ça et nous merci. Et nous croyons que c'est grâce pour à bon genre sacrifice que vous faites, qui fait que le groupe est capable d'exister. Mais il y a des amis que aucun autre monde pas jamais moi que pièce monde pas yo mais qui c'est des amis qui a supporté et bien nous dit toutes amis ça yo merci pour prière merci pour tout support yo c'est grâce à bon genre collaboration qui fait que nous capable d'exister pendant 14 ans en ce jour de notre 14e anniversaire. Puisse Dieu, dans son amour sans mesure, daigner sur vous tout ce dont vous avez besoin. Et pour accomplir, ici à la communauté de Saint-Boniface, la mission qu'il nous a confiée. N'ayez pas peur. Jésus l'a dit à ses disciples, je serai avec vous jusqu'à la consommation des temps. Oui, les choses ne seront pas faciles, mais rappelez-vous toujours de sa promesse. Il sera toujours. Sera toujours avec vous. Quand ce jour, que ce jour
capable de plus belle journée de la ville que chaque dernier dimanche d'avril, qui est nous célébrer, capable d'un grand jour pour nous. Et tout, que nous avons toujours fêté jour ça, j'en prie mon Dieu lui-même, demandez-nous pour nous fêter. Et ce matin, frère Mio, et pour conclure, je dis un, tant que nous connaissons, c'est dimanche Divine Mercy. Jésus montrez-nous une façon spéciale comment il remet nous. Et comme Saint Jean l'a dit, puisque nous avons connu l'amour, à notre tour est bon. Nous allons demander au Seigneur la grâce là où nous sommes, dans nos communautés, dans nos milieux respectifs de travail, de travailler pour l'amour et l'amour vrai, pour l'avancement de son royaume sur terre et l'avancement aussi pour le progrès de notre communauté. Notre Dieu est un Dieu riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Sœurs et frères bien-aimés, en cette fête de la divine miséricorde, que nos groupes deviennent vraiment des sanctuaires de miséricorde. Oui, aide-nous, Seigneur, à vivre continuellement en ta présence pour une église transformée, une communauté renouvelée. C'est cette grâce que nous demandons, Seigneur, en priant les uns pour les autres, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Yeah.
arrivé croire dans bon Dieu, pour y arriver joindre que poser Jésus-Christ porter pour yo. Pour l'esprit de délivrance sonner pour yo spécialement dans le pays d'Haïti, pour gain plus cette ensemble rivé établi dans mitan yo. Côté yo va reconnaître bon Dieu, c'est seul maître yo. Ensemble, on nous la prière. Thank you.
Yeah.
ceci encore livré pour avec vous. Et avec votre esprit. La
ça, nous l'avons appelé à la cloche. Jésus m'a donné la paix, parce que
Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dans sa douloureuse passion, sois miséricordieux.
Chaque année dans mon moment ça,
nous remonter en paix. C'est ça que fait, d'a dit bon Dieu, merci. C'est grâce à lui, force lui, aide lui, que nous calage bien. C'est un jour pour nous pécher, pour nous fêter. N'a pas connaître ça comme un beau cadeau de grand-mère. Nous connaissons les moments ça arrivé chaque année. Nous toujours songer de nos premiers voix qui t'est parlé, à qui nos premiers leaders qui t'est metté dans son sourire, c'est Charles Duplessis. Tant pis, en prenant un moment de silence en que nous connaissons. Avec mon Dieu dans le ciel là, nous connaissons là avec nous en esprit, et spécialement dans le jour d'ici là. C'est ça qui fait, vous plongez force, courage et persévérance pour continuer à chanter. Louange pour grand-mère. Quand nous sommes dans le carrière, Pierre Charles vendredi, on va jamais suspendre le courage et nous. Pourquoi les jeunes nous ont fait un papier devant? Non, non, cœur des anges. Et Rio, merci. Nous tous qui là, quels que soient ses amis, famille et surtout parents, on nous bat un gros bravo pour tête nos parents. C'est avec support continuel nous yo, que jeune nous n'a pourra là avancer pour une autre année encore. Une fois de plus, merci à tous d'être présents en ce jour de fête. Bon dimanche et bonne semaine. Mais nous sommes bien contents que nous t'ayons venus. Nous remercions les frères
remercier frère Léonard qui est présent ensemble avec nous. Et nous remercions tout notre staff qui a supporté Radio et Télé Solidarité. Alors nous connaissons Radio et Télé Solidarité qui fait partie de l'œuvre apostolat national de l'Ancien Guy Sassari à diriger. Alors comme ça, et nous connaissons l'implication de Monseigneur Sassari parmi les pionniers qui ont implanté l'apostolat à l'étranger, particulièrement aux États-Unis. Alors, il n'est pas capable de faire travail pour lui. C'est en ce sens que bon c'est le bras, qui avec le bras, ça fait travail, ça vient, il faut que eh bien, un accompagnement. Alors, en ce sens, je crois que nous plutôt qui fait pour nous quelques enveloppes. Bon, c'est que nous comptons quand même pour être capable d'accompagner le travail ça pour faire. Alors, je souhaite au frère du tour, Léonard, KMFM. Merci parce que vous êtes venu. Et j'espère que la prochaine fois, et nous va mieux planifier pour être capable de se voir. Merci. Bien, monsieur Bois. Merci beaucoup. Alors, comme on annonce que le jour de samedi 3 juin, il va y avoir un dîner dans la communauté Saint-Boniface, qui a fait dans la communauté, dans l'auditorium de commun ordinaire. Et quel dimanche dernier, il a été rapporté $974. Et dimanche qui va, samedi qui va 13 mai, vous connaissez, il va y avoir un grand concert qui a organisé avec Jean-Claude Bionaga, c'est dans l'église Saint-Alice Saint-Joachim. Et qu'on y a nous mettre nos deux coups pour recevoir une bénédiction. Nous avons fini, on a invité tout le monde dans la cafétéria à venir fêter avec Jésus. Merci. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci mon Dieu, merci. Alléluia.
Ah!